Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de notre série Storia Voce, Nos mémoires. Cette série, je vous le rappelle, chers auditeurs, vous invite à appréhender l'histoire à travers ses grands textes. Et cette année, les éditions des Belles Lettres nous offrent la réédition complète des œuvres de Bossuet en deux volumes dans un magnifique coffret. Le titre, c'est « Œuvres historiques, philosophiques et politiques ». Ce travail d'édition a été réalisé par Maxence Caron, philosophe, poète et romancier, et le frère Renaud Silly, théologien, dominicain et exégète. Et nous recevons aujourd'hui à notre micro le frère Renaud Silly. Bonjour mon frère. Bonjour. Bossuet est un penseur du siècle de Louis XIV, on connaît un petit peu moins sa vie en général que ses écrits, et on sait qu'il a inspiré les plus grands philosophes, les plus grands théologiens, les historiens, des écrivains, des orateurs, et en particulier dans leur style, pour leur style et dans leur recherche de la vérité. Dans votre édition, que vous avez donc co-dirigée, vous présentez une histoire de Bossuet. Qui est cet homme extraordinaire et surtout d'où vient-il ? Alors, Bossuet est un homme siècle, d'une certaine manière. Il est né en 1627 d'une famille de parlementaires de Bourgogne qui avait aussi des liens avec la Lorraine. Il représente en fait un milieu très cultivé qui est directement lié avec l'avènement de la monarchie absolue, puisque ce sont les parlementaires, les milieux de magistrats qui ont fourni en tout cas cette loyauté sans faille à la monarchie dans les heures difficiles, des guerres de religion, et puis plus tard même aussi d'ailleurs de la Fronde, même si le Parlement était plus partagé sur des questions comme ça. Bossuet a reçu une éducation de très bon niveau chez les jésuites de Dijon, puis ensuite comme il était destiné à l'état clérical à la Sorbonne à Paris, où il a passé sa thèse, suivi tout le cursus honorum. Et ensuite, il a commencé à prêcher parce que une des choses qui l'a beaucoup marqué pendant ses études parisiennes a été la rencontre avec Saint Vincent de Paul, qui à ce moment-là était en train de chercher à réformer la formation des prêtres dans le sens demandé par le Concile de Trente. Et Bossuet, dont l'intelligence prédestinait à une carrière brillante, a voulu néanmoins suivre ce programme de renouveau sacerdotal initié par Saint Vincent de Paul. Et alors, sans doute que déjà la carrière des honneurs l'attendait, une fois ordonné prêtre, il est parti en Lorraine, un épisode assez peu connu de sa vie, où il a passé 6 ou 7 ans comme missionnaire dans les campagnes de cette région où il y avait beaucoup de protestants, mais aussi de juifs d'ailleurs. Et Bossuet avait une connaissance de première main du judaïsme, ce qui pour un homme comme lui pétri par la tradition a été sans doute un acquis considérable. Et puis ensuite, sa vie s'est décomposée en plusieurs étapes. Il a été appelé à Paris, où il a, pendant 10 ans environ, été prédicateur dans les grandes églises de la capitale et à la cour. Il est connu d'ailleurs beaucoup pour cette période de sa vie, comme orateur sacré. Ensuite, alors que le roi l'avait nommé évêque de Condom, en Gascogne, il a été nommé presque tout de suite après précepteur du dauphin. Il a eu 10 années comme précepteur de Louis, fils de Louis XIV. Quand le dauphin était adulte, il a été nommé à un diocèse, au diocèse de Meaux, ce qui était une façon pour le roi de le garder à proximité de la cour, puisque Meaux, c'est presque un diocèse suburbicaire, un diocèse qui entoure la capitale, donc qui permet à la fois d'avoir un vrai ministère pastoral et en même temps de rester à disposition du roi pour l'administration du royaume, bien sûr. Et les 20 dernières années de sa vie, donc à partir de 1680,
ont été marqués par ce ministère d'évêques, tous azimuts. Et en particulier, c'est une période où il a mis à profit toute la science qu'il avait renouvelée lors de son préceptorat du Grand Dauphin, en s'entourant de savants extrêmement érudits. Et donc, ces 20 dernières années sont consacrées à des controverses sur la Bible, sur le gallicanisme, sur la spiritualité, sur l'histoire d'ailleurs aussi, qui fait que il est mort, comme disait Saint-Simon, les armes à la main. Donc avec vraiment, en ayant jusqu'au bout mené des combats intellectuels très très avancés. Bossuet a écrit de l'histoire, de la philosophie, de la théologie. Est-ce qu'on peut catégoriser ses écrits et comment? Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire dans l'édition des œuvres de Bossuet que vous proposez aux Belles Lettres? Oui, alors d'une part, il y a voyez, Bossuet, c'est un auteur un petit peu paradoxal, au sens où jamais il n'aurait imaginé qu'on se souviendrait de lui comme écrivain. Alors même que sa langue est d'une créativité extraordinaire, d'une poésie tout à fait exceptionnelle, il ne pensait pas faire œuvre littéraire, en quelque sorte. Même, il a publié très peu d'œuvres lui-même de son vivant. Les œuvres qu'il a publiées, d'ailleurs, c'était vraiment parce qu'il y avait des circonstances qui s'y prêtaient et que ça s'imposait. Si on veut caractériser l'œuvre de Bossuet, c'est celle d'un docteur de la foi, au sens le plus complet du terme, que ça revêt dans la grande tradition patristique. La base de la science chrétienne a été donnée par d'immenses érudits comme saint Augustin, saint Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, saint Cyrille d'Alexandrie, c'est-à-dire des grands évêques qui étaient à la fois pasteurs, docteurs, directeurs d'âme, conseillers des rois aussi. Et Bossuet, d'une certaine manière, a été le dernier de cette lignée de personnes pour qui la science chrétienne avait vocation à englober la totalité du savoir. Et que donc elle devait, en tant qu'évêque, il avait une autorité dont il pensait qu'elle était d'origine divine, en tout cas qu'elle était voulue par Dieu, toujours est-il, était voulue par Dieu, pour porter un regard sur l'ensemble de la culture. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre Bossuet, l'extraordinaire variété de ses œuvres, comme les différentes facettes qu'il a voulu donner à la science chrétienne, appuyée sur la révélation et sur la tradition. Est-ce que on peut dire que dans les prédications de Bossuet et de ses confrères, on pouvait avoir des cours d'histoire en quelque sorte, des petits moments de philosophie et de théologie? Est-ce qu'on peut dire que ces prédications englobaient toutes sortes de sciences? Voilà. Alors vous savez que c'est assez marrant parce que Bossuet, on le connaît surtout du fait que l'université valorise cet aspect-là pour sa rhétorique sacrée. Mais d'une certaine manière, c'est pas la période la plus créative de sa vie. Et aux 10 années de prédication dans les grandes églises parisiennes, on suivit ces 10 années de préceptorat où il s'est entouré de grands savants. Et c'est là que vraiment il a acquis une connaissance approfondie de l'histoire. Le grand dauphin, il voulait en fait le mettre en possession des institutions pluriséculaires du royaume. C'est pour ça qu'il a envoyé dans les provinces des savants compiler des documents anciens, des chartes sur l'origine des villes, des diocèses, des abbayes, et dont lui-même rédigeait une synthèse, de façon à ce que le grand dauphin connaisse réellement le royaume dont il aurait la charge. Et finalement, il n'a jamais eu la charge. Enfin, peu importe, ça, c'est pas grave. Ça a permis à Bossuet, en tout cas, d'amasser une connaissance extraordinaire vraiment des institutions françaises, des institutions de l'Église de France, de sa tradition propre. Et pour le coup, si on voit son intérêt pour l'histoire, il apparaît à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Le discours sur l'histoire universelle que nous republions dans cette anthologie, cette compilation d'œuvres, est le fruit direct de ce travail qu'il a fait au service du Grand Dauphin, qui lui a permis d'accumuler des quantités de fiches extraordinaires sur l'histoire du monde, vues dans une perspective biblique.
et qu'il a donc résumé en quelque sorte dans cette œuvre, qui est une de ses grandes œuvres, et en tout cas une des rares qu'il a publiée lui-même. Vous dites qu'il avait une perspective biblique pour appréhender l'histoire. Quelle était sa philosophie de l'histoire alors ? Il pensait qu'il y avait un sens. Est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'il a théorisé l'histoire ? Ça, c'est une c'est un des aspects les plus fascinants de Bossuet, c'est que son œuvre, ce discours sur l'histoire universelle, est la dernière tentative crédible de penser une histoire universelle. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'unité de l'histoire qui la commande d'un bout à l'autre, depuis son origine jusqu'à sa fin, qui est la providence de Dieu. Et c'est très intéressant parce que, à la génération suivante, Voltaire, dans l'essai sur les mœurs, a fait un abrégé d'histoire générale. Et c'est pas du tout la même chose. Histoire générale, ça veut dire que c'est celle du genre humain. C'est-à-dire que tous les phénomènes humains, on essaye de les agréger pour en faire une compilation. Alors, avec un principe d'unité, d'ailleurs, qui est difficile à définir dans ces conditions, puisque après tout, les phénomènes humains sont d'une variété extraordinaire. Pour Bossuet, ce qui fait l'unité du genre de l'histoire des hommes, c'est la providence. C'est-à-dire que cette histoire, elle est téléologique, elle est déterminée par une finalité qui est le projet de Dieu, projet de créer, de sauver et d'amener ses créatures jusqu'à sa bonne fin. C'est pour ça que au centre de l'entreprise de Dieu, il y a Israël. Ça, c'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire de voir la place donnée par Israël dans l'histoire universelle. Et l'Église, spécialement l'Église de Rome, d'ailleurs, et puis l'Église de France, bien sûr, bon. Mais, et puis Jésus-Christ, bien sûr, qui est à l'intersection, vraiment, enfin, au croisement des différentes tendances de l'histoire. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Voltaire a bien cherché un principe d'unité, et comme l'unité générique des hommes ne suffit pas à vraiment en faire une histoire générale, eh bien, il le dévoile dans une lettre à Madame du Châtelet. Il dit que, pour lui, l'histoire est... ce qui fait l'unité de l'histoire générale, c'est l'élévation, le déclin, la chute et le relèvement de l'esprit humain. C'est-à-dire que l'intelligence, les lumières de la raison, passent par des phases de crise et de renaissance, en quelque sorte. Et c'est ça qui fait l'unité de l'histoire des hommes. C'est l'obscurantisme ou le progrès, si vous voulez. Et on voit bien que dans cette théorie de Voltaire, il y a une vision, une unité de l'histoire qui est commandée par l'idée de progrès. C'est un peu Comte avant l'heure. Oui, 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 tout à fait. Comte se réclamera certainement de ça, en réalité. Sauf que la référence à l'esprit, pour le coup, est même presque pré-hégélienne. C'est-à-dire que on voit bien là aussi que Hegel, cherchant une unité des phénomènes qu'il analyse, enfin qu'il collectionne quand même avec une très très grande largesse, parle de l'émergence de l'esprit absolu. Chez Hegel, c'est systématisé d'une façon avec une logique imparable. Chez Voltaire, c'est déjà ça va dans ce sens-là, avec cette idée d'un esprit humain qui est une réalité immanente, qui est horizontale. Qui est en fait la lumière de la raison naturelle, mais qui passe par une sorte de croissance, de passion et de résurrection. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire là-dedans, c'est que ce schéma de Voltaire, c'est un schéma chrétien laïcisé. Il n'arrive pas à sortir d'une unité de l'histoire des hommes dans une perspective qui est celle de la Bible, simplement, il l'a laïcisé. Alors que chez Bossuet, c'est-à-dire que c'est la perspective traditionnelle, celle qui est dans la Bible, celle qui est dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin, et celle qui, donc, d'une certaine manière, dont le discours sur l'histoire universelle est le sommet, l'unité, c'est un principe qui n'est pas horizontal et immanent, mais qui est transcendant, qui est en fait le gouvernement de Dieu sur l'histoire des hommes, et du coup, forcément, Bossuet insiste davantage sur certains éléments qui lui semblent plus pertinents dans la perspective de la mise en valeur de la providence de Dieu. Donc il y a bien sûr Israël d'un côté, avec le peuple de la première alliance, et Rome de l'autre, puisque Rome a conçu un empire universel. Et donc il y avait déjà une première forme d'universalité dans l'idée romaine qui a été en quelque sorte remplie par le christianisme et par l'Église.
Si l'histoire a pour finalité, pour causalité Dieu, là on sent qu'on utilise des concepts philosophiques et plus précisément d'ailleurs métaphysiques. Est-ce que Bossuet, il hiérarchise les sciences, l'histoire, la philosophie, la théologie, et comment il présente cette hiérarchisation? Comment il voit le lien entre toutes ces sciences et finalement l'application au réel? Alors, Bossuet a une perspective très traditionnelle, selon laquelle la Bible est la matrice de l'intelligence. C'est tout à fait parallèle à ce qu'on voit par exemple chez Platon, qui dit que Homère est le premier enseignant et le chef de l'instruction, dans le sens que c'est chez lui que l'on doit puiser la morale, la science de la politique, l'ardeur pousser les jeunes vers le bien, même le droit. Bref, c'est le premier enseignant. La Bible, c'est la même chose pour Israël, c'est la même chose pour un Bossuet. C'est-à-dire que la Bible est la source de la connaissance philosophique, théologique, juridique, morale de l'homme. Et donc, si vous voulez, pour lui, même plus que de dire qu'il hiérarchise les sciences en fonction de la théologie, je dirais que pour lui, il hiérarchise les sciences en fonction de la révélation, qui est donc de la Bible, qui est explicitée par le magistère authentique de l'Église, et à partir de là, elle peut, et même elle doit, s'emparer de toutes les autres sciences qui naissent. Bien entendu, la philosophie. Il y a même des traités de philosophie qu'il a écrit pour le Dauphin. Une des choses qui caractérise l'époque de Bossuet, c'est une renaissance de la science positive. C'est-à-dire, c'est une époque où on réédite, ou plutôt on édite, des choses qui n'étaient pas encore éditées, c'est-à-dire des chartes, des textes anciens. Il y a des rééditions de Pères de l'Église en cours, spécialement avec les bénédictins de Saint-Maur, mais aussi avec des dominicains, au couvent de Saint-Jacques à Paris. Le père Martimor avait beaucoup mis ça en valeur. Paris, dans les années 1650, était la capitale de l'érudition historique en Europe, et Bossuet en a énormément profité. Si vous voulez, ça c'est pour le coup, il a une perspective traditionnelle au sens où pour lui, il y a bien une espèce de forme du savoir qui vient de la Bible et de la théologie, mais qui est appelée à s'enrichir de toutes les connaissances qui émergent, et spécialement à cette époque, vraiment d'une connaissance que l'on veut de plus en plus précise et positive, en particulier du passé. Et alors, Bossuet, on a tendance un peu à oublier qu'il était prêtre aussi, parfois, quand on lit ses écrits. Bossuet, il a beaucoup lutté intellectuellement contre les idées protestantes. Il y a un traité sur l'explication de la messe à un nouveau catholique, peut-être qu'il doit faire écho aux nouvelles théories qui émergeaient sur justement toutes ces questions de la messe. Est-ce un sacrifice ou seulement un repas, pour caricaturer bien sûr très grossièrement. Comment il voit les protestants? Pourquoi il lutte contre ces idées? Et pour lui, quel est le problème finalement? Sur les protestants, Bossuet avait une approche qui est différente des polémistes du siècle précédent, puisque lorsque la réforme est née, on a sorti de la boîte, en quelque sorte, quantité d'usages de l'Église que les réformateurs ont mis en accusation. Bon. Et ce qui fait que pendant au moins un siècle, la polémique entre catholiques et protestants portait sur des quantités de détails. Avec Bossuet, la perspective change, puisque l'État moderne s'est en quelque sorte imposé. Il demande de l'ordre autour de lui, de sorte que la position de Bossuet par rapport au protestantisme, c'est de le présenter comme une nouveauté qui est dangereuse pour l'équilibre de la société chrétienne. Bossuet n'attaque pas, c'est assez frappant ça d'ailleurs, Bossuet n'attaque pas directement le protestantisme sur ses affirmations, mais plutôt, avec une logique d'ailleurs historiquement implacable, il montre comment le protestantisme innove sur des questions qui perturbent en quelque sorte l'ordre chrétien traditionnel. Et ce qui fait que c'est une stratégie qu'il a élaborée directement au contact avec des protestants et qui pouvait être vraiment pertinente de son temps. C'est-à-dire que au XVIe siècle, ça aurait paru une façon extrêmement,
accessoire de procéder que de mener la polémique là-dessus. Au XVIIe siècle, une période qui cherche à stabiliser la société et les institutions dans l'État en train de naître, eh bien, il faut montrer que le protestantisme est un élément perturbateur et que donc il apporte des nouveautés qui sortent d'on ne sait où et qui donc ne sont pas traditionnelles et qui donc, si on les laisse se développer, vont compromettre l'équilibre de la société et de l'État. Et avec cette méthode-là, Bossuet a eu un succès considérable parce qu'elle était, si j'ose dire, dans l'air du temps. Elle était conforme à une société qui avait vécu les guerres de religion et la fronde et qui avait envie de connaître la paix civile. Cette méthode a ramené, par exemple, le prince de Turenne, enfin, à l'Église, et puis des quantités d'autres personnes moins connues. C'est pour ça que c'est assez frappant de voir que Bossuet, d'une certaine manière, quand il fait l'histoire des variations des Églises protestantes, il montre l'émergence de nouveautés qui ne cessent d'en engendrer de nouvelles à l'intérieur des Églises. Et pour lui, cette démonstration a presque valeur de preuve. C'est et de sorte que pour lui, c'est aussi une vision très traditionnelle, il faut mettre, son rôle à lui consiste à montrer l'harmonie extraordinaire de la tradition catholique comme vraiment quelque chose qui est reçu du fond des âges, qui n'a cessé de porter des fruits, d'être fécond, et que du coup il faut écarter de cet arbre magnifique des espèces d'innovations qui sont des fantaisies. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne son apologétique et sa démonstration de ce que c'est que le protestantisme. Donc, si vous voulez, c'est une approche qui est en même temps très, très irénique, d'une certaine façon. Parce qu'il n'attaque pas les gens sur leurs convictions personnelles. il leur montre plutôt qu'ils s'égarent en dehors de ce qui... C'est-à-dire qu'on leur fait passer la tradition de l'Église, dont Bossuet ne conteste pas qu'ils veulent vraiment la vivre et la maintenir, et on leur donne une fausse monnaie. Et du coup, ça a été une manière à la fois très irénique, très élevée, parce que ça suppose quand même une certaine contemplation de l'ensemble de l'histoire de l'Église, qui, d'un point de vue qui n'est pas uniquement cette petite polémique particulière et accessoire, mais du point de vue de la totalité de la révélation, et ça vraiment c'est ce qui caractérise cette vision de Bossuet, c'est pour ça qu'on appelle l'aigle de Meaux, cette vision globale de l'histoire des hommes, dans lequel, au centre de laquelle se trouve l'Église qui porte cette tradition millénaire, féconde, qui est la voie de la culture et du bien, à la fois social, culturel, politique, religieux bien sûr. Tout semble très logique et très hiérarchisé dans la pensée de Bossuet. Bossuet, il a aussi parlé du quiétisme. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui nous paraît un petit peu désuet. Qu'est-ce que le quiétisme et pourquoi on a l'impression que c'est cette chose l'a un petit peu titillé toute sa vie? Le quiétisme, c'est un phénomène religieux. Ça a été lancé par des prêtres, relayé ensuite par une dame qui était une excellente publiciste, Madame Guyon, Jeanne Guyon. Le quiétisme, ça consiste à penser que la perfection chrétienne doit s'atteindre dans ce qu'elle appelle l'oraison de quiétude, c'est-à-dire un état dans lequel l'âme est entièrement passive, et puisqu'elle est passive, elle n'aspire plus à rien. C'est un peu du bouddhisme, en fait. Il y a certainement peut-être, ça évoque quelque chose comme ça. Il y a une espèce de en tout cas, les quiétistes ont défendu l'idée que la perfection chrétienne consistait à n'attendre rien, à ne pas espérer, et même espérer le salut était déjà quelque chose de mercenaire, d'égoïste, qui manifeste que l'on veut s'approprier un bien pour soi, et que du coup, espérer n'est pas quelque chose qui relève de la perfection chrétienne. C'est encore une forme d'imperfection de l'âme qui désire égoïstement jouir. C'est là-dessus qu'a porté la controverse, parce que Bossuet avait bien compris, si vous voulez, que en disant que espérer le salut, c'est-à-dire concrètement espérer sa propre conversion, espérer le paradis,
espérer la conversion pour les autres, espérer le progrès moral. Si on dit que toute recherche active du bien est une imperfection dans l'ordre de la perfection chrétienne, ça veut dire qu'on n'a plus réellement de motif d'essayer de s'améliorer soi-même, et puis le monde autour de nous, et les gens qui nous entourent. Donc, Bossuet a compris que les quiétistes étaient en train de couper la perfection chrétienne en l'isolant dans une espèce d'abstraction, alors qu'ils ne désirent rien, et que d'un côté, et en même temps, ravaler toute recherche du progrès pour nous-mêmes et pour les autres dans une forme d'imperfection. Donc, dans quelque chose qui est simplement empirique, qui est, voilà. Donc, c'est là où, si vous voulez, Bossuet a vu qu'il y avait un danger extrêmement grave pour la mission de l'Église. C'est qu'on allait faire d'un côté une élite de gens désintéressés, et du coup, désintéressés, mais ça veut dire aussi désintéressés de tout ce qui les entoure, concrètement. Et d'autre côté, une masse d'activistes condamnés à se démener, mais qui, dans l'exercice même de la vertu, ne recherchent pas le bien suprême. Vous voyez, c'était extrêmement grave. Et lui, il a bien perçu que l'enjeu était là. En plus, si vous voulez, c'est que ce quiétisme a eu des répercussions au sommet, puisque Madame Guyon, pendant un certain temps, avait l'oreille de Madame de Maintenon, l'épouse de Louis XIV. Et puis ensuite, elle avait aussi l'oreille du grand Fénelon, qui l'a défendu avec des allers-retours, il l'a quand même défendu en fin de compte. Or, Fénelon était le précepteur du duc de Bourgogne, le fils du grand dauphin, donc l'héritier putatif du trône de France. Et donc, si jamais le roi de France le futur roi de France assimilait ses idées de perfection chrétienne, comme on vient d'en parler, ça avait des répercussions politiques, évidemment, dans le contexte de la monarchie absolue, on peut imaginer de l'enjeu que ça pouvait avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à un duel au sommet, alors là, qui est, je veux dire, un des plus beaux duels théologiques que personnellement je connaisse, entre Bossuet et Fénelon, la deuxième moitié de la décennie 1695. Ce qui est fascinant d'ailleurs dans ce duel, c'est que ce sont deux intelligences supérieures, ça, c'est bien qu'on puisse dire, qui en plus parlent le même langage, puisqu'ils ont été formés dans les mêmes coordonnées, les mêmes catégories, donc ils se comprennent. Souvent, si vous voulez, dans les débats intellectuels, on passe beaucoup de temps à définir les termes, voilà. Et c'est très bien de le faire. Simplement, là, en l'occurrence, on peut dire que les termes étaient définis, puisque c'était des gens qui avaient l'un et l'autre une immense culture chrétienne et théologique. Donc du coup, je dirais pas qu'ils vont tout de suite, parce que c'est des grands traités et tout, mais alors c'est un débat absolument passionnant. Et qui est, alors, pour entrer dans ces subtilités, c'est vrai que ça demande, c'est un peu ardu, mais c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, il y a un livre d'un certain Schmidtlein qui portait sur l'aspect politique aussi du différent entre Bossuet et Fénelon, parce que, bien entendu, derrière la controverse théologique, il y a aussi des partis, bien sûr, à la cour, qui s'affrontent à travers ça. Bon. Mais, d'une certaine manière, Bossuet et Fénelon ont eu conscience que leur controverse n'était pas uniquement sur un plan empirique, un politique, qu'ils parlaient vraiment aussi de choses qui étaient au cœur de la vie de l'Église. Et c'est ça qui fait que cette controverse a une très grande portée, on a beaucoup de profit à se plonger dedans. Donc Bossuet a un rôle politique plus ou moins direct. On se rend compte que finalement, en instruisant le dauphin, il a forcément une place politique, une situation. Comment il était reçu par l'Église? Est-ce qu'il était connu par le pape? Est-ce qu'on reprenait ses prédications, ou finalement il faisait partie de la centaine d'élites de son temps? Ou est-ce qu'il se distinguait vraiment dans l'Église de France? Alors, il se distinguait, oui. Après, c'est vrai que l'époque était fertile en grands caractères, donc il n'était pas le seul, mais il se distinguait quand même. En même temps, comme il n'était pas un grand seigneur, il n'appartenait, même s'il était d'une famille tout à fait honorable et bien pourvue, il n'appartenait pas à l'aristocratie,
Ce qui fait que, de ce point de vue-là, il avait peut-être des relais immédiats qui lui manquaient. Fénelon, par exemple, lui appartenait à la haute aristocratie. Et donc, il avait de toute façon un parti. Bossuet, lui, s'est imposé par l'ampleur de son génie. Par exemple, c'est lui qui a convaincu Louis XIV de laisser partir Mademoiselle de Lavallière au Carmel. Vous savez que pendant un certain temps, Louis XIV avait pris comme maîtresse Madame de Montespan, mais comme elle était mariée, c'est un double adultère. Et donc, pour cacher un petit peu cette relation-là, elle était abritée derrière une sorte de paravent qui était celui de son ancienne maîtresse. Et donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas la laisser partir au Carmel. Bossuet a fini par dire au roi, écoutez, sire, il faut la laisser partir. Elle veut faire son salut. Laissez-la tranquille. Il est temps. Voilà, il est temps. Et donc, il a réglé cette histoire-là. Après, lors de la fameuse assemblée de 1682, qui a abouti à la déclaration des quatre articles, avec une controverse, avec le pape, mais pas seulement. Enfin bon, c'est quand même Bossuet qui a été non pas le chef de l'assemblée, mais au moins il l'avait ouverte par son grand discours, son grand sermon sur l'unité de l'Église, qui est une de ses rares œuvres publiées de son vivant. C'est à lui qu'on avait confié de déminer l'Assemblée pour qu'elle n'apparaisse pas comme une provocation directe envers le pape Innocent XI, avec lequel Louis XIV était en froid. Donc là, on voit quand même qu'il était reconnu et qui aussi, on voyait en lui une figure d'équilibre, hein, de quelqu'un qui pouvait, qui n'était pas dans les partis. Et que donc, qui pouvait passer, sinon pour neutre, en tout cas, comme impartial. C'est aussi à lui, donc si vous voulez, c'est à lui qu'on a confié la rédaction de la déclaration du clergé de France pour défendre la déclaration des quatre articles. C'était une figure de premier plan, oui, ça c'est certain. Reconnu, je pense, d'abord, comme intellectuel et comme conseiller. Pas d'abord comme administrateur et comme si vous voulez, homme d'action, même s'il l'était aussi à sa manière. Hein. Mais en revanche, c'est d'abord, je pense, son érudition, sa hauteur de vue, la confiance aussi qu'il savait gagner chez les princes, chez les grands, qui faisait qu'on lui confiait des affaires. Et je pense qu'on a beaucoup rendu hommage à son magistère doctrinal, c'est incontestable. Et également à son style. Paul Valéry disait de lui, dans l'ordre des écrivains, « Je ne vois personne au-dessus de Bossuet », c'est quand même une belle consécration. Mais Paul Valéry n'est pas le seul, il y a une multitude d'écrivains, d'orateurs, de penseurs qui se réclament de Bossuet, qui disent Bossuet, qui s'inspirent de Bossuet. Alors, en quelques mots, qui il a inspiré et pourquoi il est autant apprécié par, on a l'impression, tous les bords théologiques, tous les bords philosophiques et tous les écrivains, quel que soit leur style et leur école. Alors, ce qui est frappant, c'est que les gens qui admirent Bossuet pour son style, tout en reconnaissant qu'il n'a jamais voulu être un auteur. Et que, d'une certaine manière, le style de Bossuet, c'est un bonus. Et je me demande si, en cela, il n'est pas une tentation pour beaucoup d'écrivains qui justement, cherchent à polir et améliorer leur style et qui disent « Mais chez lui, le style, c'est presque secondaire. » Alors que c'est si éblouissant. Je pense que c'est ça aussi qui doit fasciner des auteurs qui, peut-être, peinent plus. Pour vous, Paul Valéry peine donc. Non, alors, en tout cas, si vous voulez, Paul Valéry, c'est un extraordinaire artisan des mots, et donc qui retouche 50 000 fois les choses pour que ce soit, impeccable, que ce soit parfait. Enfin bon, vous voyez, c'est comme les maximes de La Rochefoucauld. Enfin bon, vous commencez par une maxime qui fait 10 lignes, et puis à la fin, vous avez une ligne, quoi, parce que tout est concentré. Donc ça, c'est du métier, c'est de l'artisanat, hein, et ça fait partie du métier d'auteur. Or, chez Bossuet, ça jaillit comme une espèce de profusion qui est presque jetée, qui est jetée à fleur de page. Donc ça, je pense que pour des hommes de lettres, hein, il y a quelque chose qui fascine. Il y a aussi autre chose, à mon avis, une des raisons pour laquelle il fascine, c'est que il est pétri au plus profond du style de la Bible.
À 15 ans, il a découvert une Bible latine chez son oncle à Dijon. Et il a eu des palpitations tellement il a vu que là-dedans, il y avait la source du savoir. Bon. Et de sorte que jusqu'à la fin de sa vie, son style a eu un côté épique qui vient de l'Écriture sainte. Et c'est vrai que pour des hommes de lettres, ce texte qui inspire, qui constitue une langue, hein, au sens littéraire du terme, c'est-à-dire un ensemble de termes et de structures grammaticales qui permettent de parler, qui est directement inspiré d'ailleurs de la syntaxe hébraïque, eh bien, ça a un côté exotique qui est dans lequel on peut renouveler notre langue à nous. Mmh. C'est en cela, par exemple, que Claudel, par exemple, dit lui-même que Bossuet est son maître dans la langue française. Parce que Claudel, petit enfant à Villeneuve-sous-Fère en Champagne, a été marqué par la récitation des vêpres dans sa paroisse le dimanche soir, et toute l'œuvre de Claudel est une sorte de variation sur la Vulgate latine, transcrite en français. Donc il a vu que c'était la même chose chez Bossuet. Si vous voulez, je crois que pour un auteur, ce qui rend Bossuet si attirant, c'est quelqu'un qui a renouvelé la langue par le contact avec une culture étrangère. Et du coup, par là, est devenu à multiplier les images audacieuses, les structures grammaticales inattendues. Voilà. De ce point de vue-là, du point de vue du métier d'auteur, c'est une figure qui ne peut pas laisser indifférent. Comment on publie comme ça la totalité des œuvres de Bossuet? Combien de temps ça vous a pris? Et comment on procède? Et finalement, quelle est l'originalité de votre travail? Qu'est-ce que vous nous proposez? Voilà, alors la totalité, il n'y a peut-être pas tout, mais il y a toutes les grandes œuvres qui étaient indisponibles depuis longtemps. On ne les trouvait pas. L'idée de cette édition, c'était d'essayer de rassembler ces œuvres polémiques en particulier, philosophiques et historiques bien sûr, mais polémiques, parce que il se dessine quelque chose dans cette réfutation globale par Bossuet d'un certain nombre de mouvements de pensée qui naissent de son temps. D'un côté, il y a la critique biblique, historico-critique avec Richard Simon. De l'autre, il y a la recherche de la perfection spirituelle avec le quiétisme. Il y a aussi l'idée que le dogme chrétien est évolutif avec l'histoire des variations des églises protestantes. Un certain nombre d'idées qui pour les modernes sont évidentes, Bossuet les considère comme... il les réfute à l'avance, en quelque sorte, si vous voulez. au nom, précisément, de l'harmonie, de la tradition immémoriale. Et il se dessine un certain panorama de cet ensemble de réfutations au moment même où se déploie ce qu'on appelle la crise de la conscience européenne, dans les années 1680-1690. Au fond, les œuvres qui sont publiées ici sont typiquement les réponses, les premières qu'on a pu donner à ce qui est de l'ordre des pré-lumières. C'est comme si Bossuet avait voulu réfuter un certain nombre d'idées rationalistes, progressistes en quelque sorte, par avance, au nom d'un ordre immémorial, d'une certaine conception de la révélation, de la place de l'Église dans l'histoire des hommes. D'une certaine manière, le travail ne fait que commencer. C'est-à-dire que il faut publier, c'est bien de publier. Maintenant, il faut essayer de comprendre l'aspect presque systématique qu'il y a chez Bossuet dans cette réfutation qu'il fait de la critique biblique, telle que Richard Simon l'amène, de l'évolution du dogme dans les églises protestantes, ou de cette recherche d'une espèce de perfection égoïste chez les quiétistes. Au fond, ce qu'il pourfend, c'est l'individualisme, le relativisme, et aussi la prétention de la science à pouvoir juger du dogme.
Ce qui finalement répond un peu à ma dernière question. Bossuet, une œuvre pour notre temps. À chaque auditeur de se plonger dans cette œuvre et voilà, de tirer un petit peu. Bon, c'est un magnifique coffret, on ne peut pas tout lire d'un coup. À votre avis, il faut commencer par quel traité pour rentrer dans Bossuet? Quel est peut-être le plus accessible ou du moins le plus éclairant sur sa vie et son œuvre? Alors, le discours sur l'histoire universelle, hein, c'est une magnifique entrée en matière, parce que d'une certaine manière, Bossuet y dévoile le principe d'unité qui guide son expérience du monde et de la culture, c'est-à-dire partir de Rome et de la Bible, hein, des sources de notre culture, voir comment elles ont entré en conflit, comment elles interagissent, comment elles ont fini par fusionner aussi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du dévoilement d'un ethos et d'une Weltanschauung dans le discours social universel. C'est par là que je conseillerais de commencer. Mais merci beaucoup, frère Renaud Silly, de nous avoir parlé de Bossuet, mais il y a encore tant à dire. Et pour ça, chers auditeurs, je vous invite vraiment à parcourir les œuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet. C'est le titre donc de cette très belle édition qui est parue aux éditions Belles Lettres et qui a été préfacée, c'est ça, par Maxence Caron. Préfacée par, voilà, c'est moi qui préfacée. Co-édité, co-dirigé par vous-même et Maxence Caron. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission Nos Mémoires.